culture. Et ce matin avec nous, Linda Tamdalari, oui, Hakim Chkouni, son prénom. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Bien, bien. Ben, écoutez, aujourd'hui nous sommes le 11 décembre, pas mal de festivités s'organisent déjà. Ici déjà dans la, au sein de la capitale, la Wilaya d'Alger, il y a pas mal d'activités qui se font au nom de la résistance. Un douloureux souvenir pour un bon nombre de personnes qui justement aujourd'hui se souviennent de cet événement du 11 décembre. Donc déjà au niveau de la Wilaya d'Alger, il y a une rencontre qui va se faire dans quelques minutes. C'est au niveau du port d'Alger, vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui la place de la résistance, où il va y avoir un rassemblement de personnes avec tout le staff de la Wilaya d'Alger, notamment les représentants et également le mouvement associatif. Il va y avoir un dépôt de gerbes, un hommage à toutes ces personnes, à tous ces résistants de ce 11 décembre. Et puis demain, au niveau de la salle Ibn Khaldoun, il va y avoir une pièce de théâtre, une sorte d'épopée, ce qu'on appelle une melhema, autour du 11 décembre, parce que c'était femmes, enfants, les familles entières sont sorties dans les rues de la capitale, mais pas que, ailleurs aussi, et qui ont scandé donc l'indépendance de l'Algérie et gloire aux martyrs. Donc on voulait vraiment revenir sur ce souvenir douloureux, parce qu'il reste encore des témoignages de personnes qui ont justement vécu ce souvenir, ce douloureux souvenir. Mais c'est une date charnière, c'est une date cruciale, douloureuse, certes, mais voilà, il a fallu tout ça, il a fallu des sacrifices, il a fallu des larmes, il a fallu des souffrances, des martyrs également, pour qu'on puisse, que le peuple algérien puisse arracher son indépendance à la France. Et aujourd'hui, on rend hommage à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui ont participé, qui ont donné leur vie, qui ont donné leur jeunesse, Linda Tamdalari, qui ont tout laissé de côté, leur carrière, pour certains leurs études également, et qui ont rejoint la lutte armée pour l'indépendance de l'Algérie. Il y a eu beaucoup de disparus. C'est vrai. Des gens qui sont sortis de chez eux le matin, qui ne sont jamais revenus. Qui ne sont jamais revenus. On n'a aucune. On parle du 11 décembre. Ouais, c'est vrai. Et beaucoup de témoignages de personnes que je connais qui ont perdu leur grand-père, disparu, lors de ces manifestations, de cette manifestation du 11 décembre. Ouais. Hommage à tous nos martyrs, n'est-ce pas? Voilà. Merci Linda Tamdalari. À tout à l'heure, 9h. Avec d'autres infos, bien sûr, une actualité qui restera riche pour ce 11 décembre.